Hey, salut tout le monde, c'est Léo, et aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale, un pack opening, comme vous pouvez le voir, assez ouf, et pour commenter, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon cousin, Skios. Comment vas-tu? Bonjour. Oui, bonjour déjà. Bon, on parle pas très fort parce que il est un peu 2h du matin, et normalement je serais pas censé filmer. Bon bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour le pack opening de fou. Ah bah, j'ai été ressorti dans les cartes. Et voilà. Ah, je vous donne juste les cartes de minute. Et c'est parti, on va commencer ce pack opening. Merci. Ouais, je te donne ça. Moi, j'ai plus du tout d'ordre. Bon, bref, aujourd'hui, on va commencer par ouvrir le petit coffre gratuit. Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir une salfette. Guérison, allez, esprit glace. Là, c'est classique. Là, c'est une PK, chauve-souris, ah, bah, tiens, pourquoi pas. Alors, on va ouvrir le coffre en or. Alors, 249 d'or. 6 gobelins, d'accord. 6 gobelins. 3 tauragons. Une épique tête. Non. 25, 3 barbares. C'est pas mal. J'ai déjà eu des épiques plusieurs fois. Bon, on va ouvrir ce fameux coffre à couronne. J'adore comment la vidéo est pas super vite. Ouais. 600, plus 600 d'or. Je sais pas si on peut faire un 2 contre 2 après. Ouais, je pense que c'est possible. 16 archers, ouais. Encore des chauves-souris, 16, pourquoi pas. 36 gangs de gobelins, que je pourrais bientôt passer niveau 10. Et 8 cochons, bah justement, j'en demande dans mon clan. Mon clan, par ailleurs, qui s'appelle Tonton is back, en français, Tonton est de retour. N'est-ce pas, Mathéo? Ouais, on va continuer avec le coffre géant. Et hop, les coffres géants. Le temps que je l'ai pas ouvert celui-là. Alors j'ai 4 cartes, peut-être que j'aurai plein de trucs. 6 guérisons, voilà. Un dragon, 201 chauves-souris, pas mal. Oh. À mon avis, j'aurai quelques rares. Oh, comme par hasard, j'ai un short cochon, mais allez, c'est parti. Il me manque 50 à débloquer. Mais au moins, c'est ça de moins à faire. Maintenant, il y a moins de la malchance. Non, c'est pas vraiment. Après, c'est dans le parc off magique, je vais sûrement pas avoir des légendaires comme d'habitude. Bref, maintenant il y a plus d'or dans les coffres magiques, il y a moins d'or dans les coffres géants, ça a changé depuis. Et l'or. Ouais. Et les coffres magiques, c'est un or fixe, normalement, si je me souviens bien. Du coup, on va après ce fameux coffre magique. Ouais, je crois aussi. Alors, la preuve, j'ai eu 1100 d'or, moi je devrais avoir moins. Bon, bref, 9 chauves-souris, ouais. 24 gobelins, bientôt niveau 10. En gang de gobelins, pardon. Esprit de feu, bon, ça je peux passer niveau 10 depuis un petit moment. Chevalier que je peux passer niveau 10 aussi. Ah, 6 guérisons que je peux de niveau 7. Attention. Ah bah non, j'ai pas de légendaire. C'est pas grave. 7 cartes en balle et j'ai 3 foudres. Bon, la foudre, je la joue, mais très peu. Hein. Donc on va dire que c'est un coffre normal. Ce n'est pas non plus des cartes comme les gens royales et barbardiques par exemple. Et maintenant, on va s'attaquer au lourd de la vidéo. Le super coffre magic, c'est mon deuxième, enfin ça c'est celui que j'ai eu gratuitement et les autres je les ai achetés, mais j'ai pas les légendaires parce que je suis vraiment nul. Et du coup on va l'ouvrir. Et hop là 6000 d'or, c'est la première fois que je vois autant d'or en ma vie. J'avais plus ça. Putain, il fait 1 giga. Ouais, bon, il fait 1 giga 109 là. Attention, 96 canons, je m'en fous totalement le steak. 181 mortiers, mais je m'en fous totalement. 246 secondes, le gobelin à lance. 67 Valkyrie, 70 sorciers, des épiques. Oui, j'ai légendaire. Yeah. 23 boulistes, je les joue pas du tout les boulistes, mais c'est pas grave. Attention, qu'est-ce que ça va être, je sais pas, vas-y, tu me diras. C'est le dragon de l'enfer. Voilà. C'est pas mal, moi au moins je peux la mettre niveau 2, même si je la joue pas spécialement. Moi je dis, c'est une bonne carte si on la joue bien, genre les decks molos ou une ballon par exemple. Bon bah c'était un. Bon bah c'était un pack opening très divertissant. Bon j'ai qu'une légendaire, mais c'est déjà pas mal. Là en ce moment j'ai toutes les légendaires du jeu, j'ai tout débloqué. Du coup le dragon de l'enfer. Du coup le dragon de l'enfer, je vais améliorer niveau 2. Là-dedans, ouais, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, 33 sur machin. Hein. Hop, les 250. Et XP, je veux dire Elixir, pas du tout. XP en plus, du coup je vais bientôt passer niveau 11, il manque genre 5000 expériences. Ouais, 5000.
Et j'ai un ami. Il manque 20 000. Bientôt 2000. Ah ouais, t'es bientôt. Mon cousin, j'ai un ami, il est déjà passé niveau 11. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une petite bataille en ligne quand même, pour finir la vidéo, parce qu'on va pas se finir comme ça. Il faut savoir que depuis au moins 10 minutes, j'ai lancé la vidéo, mais j'ai toujours pas parlé, et du coup, bah, la vidéo, elle fait 2 gigas quasiment. Oui, oui. Alors, du coup, non, pas Twitter. Tu t'invites ou tu m'invites? Je vais t'inviter. J'arrive bientôt le cochon, bref. Alors, du coup, je. Ah oui, mais t'es pas là. T'es pas connecté. Ah oui, attends, je suis pas connecté. Au pire, partage l'emploi. Ouais, pof. Allez, c'est parti, depuis qu'à attendre. Ah, tic-tic-tic. Malheureusement, j'entends pas le son du jeu, ça t'est assez relou. Bah, tout pareil. Eh, c'est mon deck. Non, j'ai deux. Les deux sœurs. Non, les deux cousines. T'es pas sérieux, mais... Toujours. Je sais pas. Genre il y avait. Grand deck fait maison. Qui fabrique lui. Bon, enfin le ménage là. Hop les. C'est quoi ce ménage? Ouais. Bon, je suis pas non plus une bête de course à ce jeu, mais bon voilà, je me débrouille quand même pas mal. C'est des niveaux 9. Yes Blaze. Parce qu'il a lancé le mec. C'est parti mon gars. Et comme si ça suffisait pas. Ouais, il y a une en train de s'effoncer. Du coup il est pas content mais sans que le géant. Vas-y, c'est parti. Peut-être qu'il s'est fait ramasser. Pourquoi t'as mis ça? Ah non, c'est le mec qui a mis. Pas le force. Il est en train de les ratamer, il est juste violent. Vas-y, mais là. Il met son clou. On les rate. Comme ça, je pense qu'on va gérer facilement. Voilà, ça dégage. On va toucher la tour. GG. J'adore. Le dos gros, il va bien. Je pense que le mec, il fait un peu exprès, je pense. Je sais pas, c'est une impression. Mais non, là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es pas en train de me mentir? Yes, Blade, dégage! Ouais, j'étais presque. Oui. Ouais, de toute façon, c'est la boule de feu, tu peux la filer. Enfin, moi aussi, j'ai la boule de feu. Ah, oui, c'est vrai. Je pense que les mecs sont en train de dormir en face. Je suis pas bon. Putain, je fais ça en dégage. J'ai une perdue. J'ai vu ce qu'ils font. Voilà. Je pense qu'ils essayent de faire des machins, comme les mecs là, du youtubeur, grand youtubeur, mais ils arrivent pas du tout. Mais bon, géant, et j'ai ça parce que je vous défonce tout, c'est clair que je sais pas. Attention, le bureau. Non, c'est pas le attention, il me défonce pas. Ouais, une bouchette et. Ça. Il a arrêté sa machine sur le jeu. Bon bah voilà, c'était. On va tomber. Et voilà, on va terminer la vidéo là-dessus, je pense. Parce que toi, tu t'es peut-être couché, non? Peut-être, je sais pas. Bon, je pense que je. Je pense que je vais mettre une musique de fond parce que, à mon avis, ça a été complètement useless. Par contre, les messages Twitter, tu vas dégager. Merci beaucoup. Allez, on espère que cet épisode, bien sûr, on se croirait dans Minecraft. Que ce pack opening vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle aura plu. Même si je suis pas le mec le plus original à faire des vidéos comme ça. Mais bref, et moi je vous dis à la... plaisir. Voilà, c'est ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.